aux médias que l'on a évoqués, RT et Smoutik, qui ne diffusent plus sur les territoires européens, sont des médias qui n'ont pas fait le travail de médiation de l'information. S'ils sont tant appréciés par les gilets jaunes ou les antivax, c'est d'abord parce qu'ils se sont contentés d'être des caisses de résonance des arguments qui étaient avancés par ces populations sans traiter l'information.